Dans le Paris des années folles, les élégantes arborent des tenues corsetées. Dans le Paris des années folles, les élégantes arborent des tenues corsetées. Dans le Paris des années folles, les élégantes arborent des tenues corsetées. Le jazz vient tout juste de débarquer. Les hommes ou les femmes noires sont encore absents des scènes. Le jazz vient tout juste de débarquer. Les hommes ou les femmes noires sont encore absents des scènes. Le jazz vient tout juste de débarquer. Les hommes ou les femmes noires sont encore absents des scènes. Alors quand une revue appelée à l'époque nègre est montée au théâtre des Champs-Élysées, le tout Paris se presse. Alors quand une revue appelée à l'époque nègre est montée au théâtre des Champs-Élysées, le tout Paris se presse. Alors quand une revue appelée à l'époque nègre est montée au théâtre des Champs-Élysées, le tout Paris se presse. Soudain, une jeune femme fait une entrée fracassante sur scène. C'est Joséphine Baker. Elle est américaine, elle a 19 ans. Soudain, une jeune femme fait une entrée fracassante sur scène. C'est Joséphine Baker. Elle est américaine, elle a 19 ans. Soudain, une jeune femme fait une entrée fracassante sur scène. C'est Joséphine Baker. Elle est américaine, elle a 19 ans. Celle qui n'était qu'une inconnue avant le spectacle devient en quelques minutes une star. Les gens applaudissent, tapent des mains, tapent des pieds. On n'a jamais vu ça. Paris, c'est la valse. Et quelqu'un en train de se déchaîner, c'est une première. Celle qui n'était qu'une inconnue avant le spectacle devient en quelques minutes une star. Les gens applaudissent, tapent des mains, tapent des pieds. On n'a jamais vu ça. Paris, c'est la valse. Et quelqu'un en train de se déchaîner, c'est une première. Celle qui n'était qu'une inconnue avant le spectacle, devient en quelques minutes une star. Les gens applaudissent, tapent des mains, tapent des pieds. On n'a jamais vu ça. Paris, c'est la valse. Et quelqu'un en train de se déchaîner, c'est une première. À partir de ce jour-là, elle devient la star, la Vénus d'ébène, la Vénus noire. À partir de ce jour-là, elle devient la star, la Vénus d'ébène, la Vénus noire. À partir de ce jour-là, elle devient la star, la Vénus d'ébène, la Vénus noire. La danse endiablée, c'est le Charleston. Si à New York, tout le monde connaît, à Paris, elle fait sensation. La danse endiablée, c'est le Charleston. Si à New York, tout le monde connaît, à Paris, elle fait sensation. La danse endiablée, c'est le Charleston. Si à New York, tout le monde connaît, à Paris, elle fait sensation. Quelques semaines plus tard, la voici dansant avec sa fameuse ceinture de banane. Elle devient la meneuse de revue des Folies Bergères et fait rire tout Paris avec ses grimaces. Quelques semaines plus tard, la voici dansant avec sa fameuse ceinture de banane. Elle devient la meneuse de revue des Folies Bergères et fait rire tout Paris avec ses grimaces. Quelques semaines plus tard, la voici dansant avec sa fameuse ceinture de banane. Elle devient la meneuse de revue des Folies Bergères et fait rire tout Paris avec ses grimaces. Elle réalise son rêve, loin de la ségrégation américaine, et cet accueil, elle ne l'oubliera jamais. Elle réalise son rêve, loin de la ségrégation américaine, et cet accueil, elle ne l'oubliera jamais. Elle réalise son rêve, loin de la ségrégation américaine, et cet accueil, elle ne l'oubliera jamais. J'ai deux amours, mon pays Paris,
et ravie. J'ai deux amours, mon pays Paris, pars toujours, mon cœur est ravi. Pendant la Seconde Guerre mondiale, répondant à l'appel du général de Gaulle, elle devient espionne dans toute l'Europe pour la résistance. Voici Joséphine, oui, le lieutenant Joséphine Baker, qui rapporte d'une tournée en Égypte un chèque de 4,5 millions de francs destiné à la résistance. À la Libération, elle obtient la Légion d'honneur et la nationalité française en se mariant. La petite américaine pauvre achète un château, adopte 12 enfants, et lorsqu'elle retourne aux États-Unis, c'est pour se battre aux côtés de Martin Luther King pour les droits civiques. L'accueil du 2 octobre à Paris, ou comment un destin se forge parfois en une soirée. Elle joue un rôle fabuleux, Joséphine. Elle joue le rôle d'une chanteuse un peu faux-folle, mais elle est tellement naturelle dans son rôle. Le château là-haut était entouré des Allemands. Commencement de la résistance, et c'est moi qui les ai reçus parce que on combattait pour la liberté à ce moment-là aussi. Tout ça a commencé ici. J'ai continué jusqu'à la liberté complète de la France. Le château là-haut était entouré des Allemands. Commencement de la résistance, et c'est moi qui les ai reçus parce que on combattait pour la liberté à ce moment-là aussi. Tout ça a commencé ici. J'ai continué jusqu'à la liberté complète de la France. Le château là-haut était entouré des Allemands. Commencement de la résistance, et c'est moi qui les ai reçus parce que on combattait pour la liberté à ce moment-là aussi. Tout ça a commencé ici. J'ai continué jusqu'à la liberté complète de la France. Joséphine continue, mais ailleurs, car les Allemands sont sur le point de la démasquer. En 1941, elle se rend d'abord au Portugal, puis au Maroc, où elle rejoint officiellement les rangs de la France libre.
Mais pourquoi une danseuse de cabaret d'origine américaine qui avait tout pour elle a-t-elle risqué sa vie pour la France ? Très jeune, Joséphine Baker a souffert du racisme aux États-Unis. Quand elle arrive en France, elle se sent enfin à sa place. Mais pourquoi une danseuse de cabaret d'origine américaine qui avait tout pour elle a-t-elle risqué sa vie pour la France ? Très jeune, Joséphine Baker a souffert du racisme aux États-Unis. Quand elle arrive en France, elle se sent enfin à sa place. Mais pourquoi une danseuse de cabaret d'origine américaine qui avait tout pour elle a-t-elle risqué sa vie pour la France ? Très jeune, Joséphine Baker a souffert du racisme aux États-Unis. Quand elle arrive en France, elle se sent enfin à sa place.